Salut à tous, c'est Freeman, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur mon Twitch. Aujourd'hui, 22e épisode avec l'OGC Nice. Ça faisait un petit moment que j'avais pas joué avec Nice. Donc nous revoilà, après 3 victoires consécutives. On va essayer de faire le maximum de matchs ce soir. Donc sans hésiter, sans attendre, on continue. Donc on venait de gagner contre Bastia. Et on va continuer, hein. En espérant que Paris me rattrape pas. Avec un peu de chance. On verra bien. Hop. Ouais, Paris a encore gagné. Donc on va essayer de tenir le rang, espérer de finir encore premier. Ça va être difficile, mais bon. Tout est possible. Mao. Ouais. Il est bon, lui. Hein. Il est bon. Ça va peut-être être un des objectifs pour la saison prochaine, on verra. Le problème, c'est qu'ils vont demander, à mon avis, un très gros salaire. Très gros salaire, ouais, non, plutôt très grosse indemnité transfert, plutôt ça, pardon. Allez, on accélère. J'aurais dû avancer en fait hors stream parce que là il y avait à peu près 10-12 jours sans match. Vous auriez évité cette attente. Marlon sélectionné en équipe de la semaine. Toujours au plaisir. Lyon qui gagne, Lille qui fait. Ouais, non, qui gagne même en coupe. D'accord. On a été éliminé, hein, je vous rappelle. Compétition. Voilà. Éliminé en 9e tour par Marseille. Pas de chance. Et éliminé en demi-finale contre Saint-Étienne. La finale sera Saint-Étienne-Lyon. Pardon. Et Coupe de France. Bah, voilà, il reste encore pas mal d'équipes. Dommage d'être tombé sur Marseille aussi tôt dans la compétition, mais voilà, c'est le jeu. C'est le jeu. J'ai un petit souci au niveau des maillots. Il faudra que je regarde ça. Petit problème de. Ça y est, Paris m'a rattrapé en point. Un petit problème dans l'affichage des maillots quand vous voyez mon club. Voilà, j'ai les anciens maillots, je sais pas pourquoi. Faudra que je regarde ça. Hors stream. Par contre, les maillots de Wolfsburg que j'ai mis pour la deuxième carrière marchent. Un petit peu bizarre. Donc, on va envoyer l'adjoint. Tranquillou. Donc, la saison prochaine, j'espère qu'on aura un budget un peu plus costaud. Parce que là, j'avais très peu d'argent. 3 millions 5, je crois, de mémoire. 3 millions 5, 4 millions. On va espérer d'avoir un petit peu plus quand même. Pour pouvoir recruter des joueurs qui m'intéressent. Salut Broliche. Voilà. Alors, sélection d'équipe. Demander à l'adjoint. Par contre, je vais faire monter des jeunes. Alors, qui est-ce qui est disponible? Martin Roche. On va le mettre. Et Gilles Ferrer. Ça m'embête. Est-ce que c'est encore un. Cyril Grégoire. Ou Vitor Pereira, peut-être Vitor Pereira. Ah non, il est déjà. Bah ouais, je suis bête. Cyril Grégoire alors. Hop. Tactique. Coup de pied arrêté, c'est bon, ouais. Donc on va refaire la tactique. Voilà. Comme ça, on a des petits jeunes qui vont être sélectionnés. On les fera peut-être rentrer. On verra. Selon, selon ce qu'on fait. Par contre, j'aime pas moi.
Ouais, bon, allez, on va tenter Céric au centre. Je suis pas trop fan, mais on va tenter quand même. Serif Fédé. Ouais, on va rester comme ça. Arrière gauche, j'ai pas mieux. Ben Sebaini, Raul Pereira, ça me paraît bien. Hop. On y va. C'est parti. Pour l'image de l'épisode, contre Montpellier. Oh non. Et c'est Eric blessé. Oh là là, la loose. D'accord, quoi. Je perds mon meilleur terrain. Mon meilleur joueur de milieu de terrain. Comment vous dire? Ça sent mauvais. Oh, rack. Ah, les dévies en plus. Boum. Et il y a penalty. Bien joué, Lazo. Bien joué, ça. Allez. Pléa. Petit plat du pied à droite. Oh non. Oh non, quoi. On peut pas louper un péno d'entrée. Hein. Sérieux, on peut pas. Oh, puis j'ai encore un autre blessé. Je sais pas ce qui se passe là dans mon effectif. Beaucoup, beaucoup de blessés. Figueiredo, ouais, bah. J'ai personne d'autre, donc. Oh, la faute. Ça sent pas bon cette affaire. Ils sont pas partis. Dommage, série. Pff, bien, Ben Sebaini. Bien joué, Ben Sebaini. Là, on est light. Hein. Niveau effectif, c'est vraiment light. Puis avec le Essery qui est sorti. Oh, hop. Ah, Pléa, bien joué. Bien joué. J'ai eu peur. Hein. Je pensais qu'il allait encore faire de la merde. Bon. 1-0. La balle au centre. On dobine hein, cette première mi-temps. Bien joué. Bien joué. Attention avant la mi-temps. Oh, il est large, heureusement. Ça faisait but. Allez, peut-être en contre. Oh ouais, mais non, faut pas balancer comme ça. Voilà. Bien joué. Allez, player, fais l'appel. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il joue beaucoup plus haut, Montpellier. Bien joué. Oh, dommage. Il manquait plus que le but, là. Bien joué, Pereira. T'as le temps de faire mieux. Boum. Ah non.
Attention. Ouais. Bien joué. Bon, ça passait à côté, ça. Oh, elle est belle celle-là. Oh ouais, bien joué. Bien joué. Joli but. On va gueuler un coup. Ah, la passe là, elle est belle. Hein. Puis là, elle se décale bien sur son pied gauche. Et puis. Bien joué. Beau but. Beau but, beau but. On se fait bouger, hein, franchement. Et le truc, c'est que, bah voilà, j'ai rien pour attraper. Bien envie de tester Cyril Grégoire là. Toute façon, ce match-là, il est pas bon. Allez, on teste un petit jeune là, donc Cyril Grégoire, première fois qu'il joue. Allez, peut-être une action pour nous là, ce serait bien. Ce serait bien. Ouais, plaît. Ouais, un bon centre. Et Pereira. Boum. Oh, bien joué. Allez. Aïe, aïe, aïe. Et on manque de créativité devant, hein. C'est sûr. Allez, décale. Voilà. Allez, Pereira, un bon centre. Oui. Oui. Yes. Yes. On va peut-être aller chercher quand même ce match, ces 3 points-là. Difficilement. Peut-être être le cas. Oula. Perds pas le ballon là, hein. Ouais, bien joué. Oh oui. Allez, Pereira. Fait un bon match le Pereira quand même, mine de rien. Ah voilà, celui que je dis ça. C'est toujours pareil. Oh, bien joué, quelle défense. Putain, il bouge bien quand même, Montpellier, hein. Ça joue plutôt bien hein, pour une équipe mal classée, vraiment. Je suis chanceux quoi. Allez, un bon centre. Et boum! Oh, juste au-dessus. On a des occasions quand même. Hein. J'espère qu'ils vont pas marquer juste à la fin parce que. Oh là, bien joué, Hassen. Ah, il sauve le match là. Il sauve le match. Ça sent bon, ça sent les 3 points quand même, mine de rien. Ça sent bon. On va se prendre un rouge le Carole là. Non. Il défend bien. Bien Grégoire. Hein?
Je peux enlever. Bon, bah c'est bien. Bien joué. Avec un effectif réduit. C'est bien. On a eu la possession en plus, donc c'est cool. Oh là là. Encore un blessé. Et Séric 5 à 8 jours. Heureusement, ça va. Et on enchaîne, donc ça fait 4 victoires d'affilée. C'est cool, c'est intéressant. Et on va aller jouer à Reims. Ça va pas être évident. Avec tous les joueurs là qui sont blessés. J'espère que on aura quelques retours de blessures, je sais plus. Lens qui perd, Lille qui fait nul, Saint-Étienne qui perd. Robben, putain. Il a bien perdu quand même en stats. Hein. En aussi peu de temps. Surtout la vitesse, quoi. Il a perdu beaucoup en vitesse. J'ai failli le choper, hein. C'est pour ça que j'en parle. Hein. On a failli l'avoir en prêt. Et bon, passer à côté. Hop. Paris contre le Gazélec, normalement ça devrait être tranquille pour Paris. Et ben ils sont quand même dû aller en prolongation. Putain, je suis surpris. Ouais, c'est surprenant ça. Allez, donc Stade de Reims qui est pas très bien classé. Tant mieux pour moi. Stade de Reims 15e. Ouais. Mais il reste sur une victoire contre 3. 1-0. Encore une fois, on a un effectif réduit. Donc en blessé, regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 blessés. C'est chaud, chaud, chaud. C'est chaud, chaud. Par contre, non. Là, tu me mets jalé, mon petit. Federac, ça me va. Par contre, Bentancur, non. On va aller chercher un jeune du centre. Obligé. En plus, il met. Oh là là, ouais. Ah, il manque du monde là. Il manque un milieu offensif droit et un milieu offensif. Non, un milieu offensif gauche. Bon, faut trouver ça chez les jeunes. Cette affaire. Bon. Ils ont pas le niveau, hein. Clairement, clairement, clairement. J'ai lui qui peut jouer. Ça craint du boudin, ça craint du boudin. Ça craint. Alors admettons si je fais ça. Et à la limite il me faudrait juste un milieu offensif centre. Alors est-ce que j'ai mieux en milieu offensif centre? En réserve. Lui là. Ah, je crois qu'il va jouer. Hein. Ah, Roger Gomis, il est prêté. Donc en milieu offensif centre, j'ai que lui. Ou lui. Oh, bon, on va tester lui alors.
On va le tester. Tic-tic. Obligé. Non qualifié, ben. Ah ouais, je peux pas le qualifier en plus. Je crois que je peux pas. On peut plus maintenant. On peut plus et il est pas qualifié. Oh là là. Bon bah tu retournes avec les jeunes. Donc on va prendre celui-là en réserve, lui. Hop, en plus il est content. Bah c'est parfait. Bah tu vas jouer. Comme t'es mécontent, tu vas jouer. On va quand même prendre Bentancur. Même si bon, normalement il jouera pas. Par contre, moi je préfère voir série. Ouais. Ça me paraît plus cohérent. Donc Lazo, Ali, Pléa. Ouais, ça va être chaud. Pourquoi il est mécontent en fait? Il veut partir pour jouer davantage. Ok. Quarante et un. Attention, Gourcuff en face hein, quand allez, peut-être pour nous, là, une petite action pour commencer. Hassen pour Jalé, Seri. Bien joué pour Pléa. Allez, Pléa. Boum! Oh, juste à côté. Dommage. Dommage, dommage, dommage. C'était bien tenté. Allez, Pléa. Pour Ayou. Pour Ali, ah c'est dévié. Ali qui fait 6,9 pour l'instant. Ma meilleure note. Ex-aequo avec certains, mais quand même, à signaler. Bien Marlon. On va voir si on est capable de jouer le haut de tableau avec, avec une équipe B, quoi. C'est un bon test d'un côté. C'est un bon test. On a eu quelques frappes pour l'instant, c'est pas si mal. Allez, un but sur corner, pourquoi pas. Boum, oh dommage. Encouragé. Oh, balance pas comme ça. Ça va, mais mes milieux offensifs c'est plutôt correct en note. Ayou 6,8 devant. Il y a Fédé qui fait pas un grand match. Allez, on... Ah, je crois qu'il allait balancer. Putain. Ah. Allez. Mais jouer ça. Ngoran. Ah. Série Ali. Oui! Oui. Belle action là. C'est bien ça. Joli but en plus. Il la met bien côté droit du but là. Série Ali. Pléa. Ouais, qui la met tout de suite. C'est bien joué, hein. Superbe. Superbe. Allez, ça fait un. Eh bah you. Allez, boum! Ouais, bah c'est bien, t'as tenté, ça fait corner. J'allais. Un bon centre. Oh, ça a failli, ça a failli. Ah, j'aimerais bien gagner ce match là à l'extérieur. Ce serait beau avec une équipe B comme ça, autant remanier. Oh, il était tout seul là.
Il était en train de se replacer, mon défenseur. Je sais pas si vous avez vu. À des moments comme ça, c'est le gros stress. Allez. Allez, Ayuk. Allez, écarte. Ah, c'était pas Ayuk qu'il fallait la donner. Ngoran. Ah, juste au-dessus, c'est Seri, je crois, qui frappe. Fin bon match, Seri. C'est bien. 60e, ouais, je veux bien, mais. Peut-être sortir Fédé quand même, il fait pas un grand match. Hein. Faut être réaliste. Du coup, le Capitano, je sais pas qui y va. Je sais pas comment on le prend, le Capitano en plus. Ouais, base, ouais. Allez, on fait rentrer Rack. Rack qui peut apporter en tant que défenseur. Enfin, milieu défensif à tendance. Milieu à tendance défensif. Désolé, je suis assez fatigué. Ouais, Pléa, bonne récupération, ça. Oh, elle est belle. Lazo, un bon centre. Et boum! Aïe, 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 aïe. Ah, il faut allumer, là. Faut envoyer une patate. Putain. Si je me mets en contrée, ça peut le faire, non? Peut le faire peut-être. On va tenter le contre. Oh, c'était bien joué aussi, ça. Il y a des belles actions, mine de rien, mais ça fait que 1-0, donc un petit peu stressant cette affaire. Donne la carte. Ah ouais. Et du coup, on s'expose au contre. Ça, c'est dangereux. Oh, bien joué, Hassan. J'ai qui sur le banc là? J'ai pas grand-chose. Hein. Bentancur, c'est pas la peine. Bossetti, non. En défense, bah non plus. Ouais, bon, bah, on va rester comme ça. Hein. Pas grand-chose à faire pour l'instant. Oh non, j'allais. Waouh. Là, on souffre un peu, hein. Si on tient, ce sera beau, hein. Ce sera beau. Allez, j'allais un bon centre. Ah, dommage. Ça déviait. Boum. Oh oui! Oh la barre! Une barre de fou! Oh la barre de ouf qu'il met! Oh, quel dommage, Pléo. Ouais, là ça. Ça peut faire but là. Pour les deux équipes, hein. Encore une frappe déviée. Pléo qui récupère en vitesse pure. Pas de chance, le Pléo. Hein. Wow. Pas de chance, pas de chance. Bien, Goran. C'est pas fini. Hein. Ouf. Oh, le stress, le stress, le stress. Il n'y a que des jeux comme FM pour mettre un stress comme ça. Hein. Récupère ça. Bien, Rack. C'est pour ça que je t'ai mis au milieu de terrain. Bien joué ça. Allez! Oui! Yes! Yes, yes, yes. Ça le fait les gars. On va gagner avec une équipe plus qu'amoindrie. Belle parade hein, au démarrage, mais Pléo qui suit pour le beau plat du pied. Je dis oui. Bon, je sais pas si elle était cadrée. Bien joué. Bien joué. Hein. Et même Ali, il a fait un bon match. Hein. Je suis très content ouais, sur ce match-là. Franchement, bravo les gars. Bravo.
Ayew en grande forme pour Nice. Et oui. Non, c'est cool, franchement ça fait plaisir là, une victoire dans la difficulté, mais une victoire quand même. Salut Guigui, salut Ozilou, salut Trash et salut Zetok, bienvenue à vous. Ah c'était, je suis assez satisfait là en fait, on était vraiment dans le dur avec beaucoup de joueurs absents, et au final on s'en sort plus que bien. On a encore pas mal d'absents contre Saint-Etienne, on va peut-être encore faire confiance à Ali là en milieu offensif centre. Il a fait le taf hein, quand même, mine de rien, pour un joueur mécontent en réserve qui a pas fait un seul match. C'est bien, c'est bien, c'est bien. J'ai pas de retour de blessure encore. Ali va rester. Prêt à rester à Nice. Ouais, bon. Voilà. Il y a un potentiel très limité. Hein. Pourra jamais faire grand-chose chez moi, mais bon. S'il peut m'aider un petit peu sur des matchs. En attendant que les autres viennent. Putain, Boufal, il fait une saison monstrueuse, non? 7,16, ouais, c'est bien. Ouais. Si j'avais les moyens, j'aimerais bien l'avoir. J'ai jamais testé en plus, ça doit être assez intéressant de l'avoir dans son équipe. Je pense qu'on pourrait bien s'amuser, surtout avec ma tactique, avec des milieux offensifs, très offensifs. Ouais. Bentancur reprend l'entraînement complet. Ça, c'est intéressant. On va peut-être jouer là, du coup. Du coup, il va peut-être jouer. Et Seric qui revient aussi. Ah, ok, j'avais pas vu. Alors, du coup, Ali va pas jouer. Et là, il met une défense. Non, alors ça, moi, je veux pas. Moi, je préfère voir Jallet. C'est un des meilleurs joueurs du championnat cette saison. Il veut toujours le mettre sur le banc. Je sais qu'il a plus le niveau qu'il avait il y a quelques temps, mais quand même, quoi. Pléa, Ayew, là, ça change pas. Du coup, on va faire repartir les jeunes maintenant avec les jeunes. Ce qui est normal. Rafetanana, ouais. Ouais, lui, il va partir, il veut plus prolonger. C'est dommage parce que j'aurais voulu l'avoir encore un petit peu, mais. Parce qu'il y a plutôt bien dépanné. Et bah, finalement, je vais le perdre. Oh, tous derrière. J'aime pas les équipes qui jouent comme ça. Ouais, on avait perdu contre eux en coupe, demi-finale de coupe, c'est pour ça que j'avais le message. On n'a pas oublié ce qui s'est passé hein, entre les deux clubs. Mais bon, après, c'est du passé tout ça. Oh, il était passé complètement au travers le Marlène. Donc j'ai pris un match d'avance sur Paris. Voire peut-être plus, parce que là je sais pas, j'ai pas fait attention si les autres jouaient. Décale, décale. Voilà, bien joué. Nkoana, bon centre. Oui. Oui. Oui, non, non, non. Dommage. Séric. J'allais un bon centre, mon petit. Voilà, Lazo, boum. Ah, il est hors jeu. Bizarre ce hors-jeu là. Ayew qui commence à être pas mal là. Hein. J'aime bien son apport là. Il arrive à garder le ballon, etc. Comme il faut. Bien joué ça. Allez, j'allais. Mais là au bon moment. Ayew. Oh la parade déjà au démarrage, mais après il t'envoie une mine. Oh, il y a des joueurs qui sont en confiance là. Hein. Les Pléas, les Jallet. Oh, les belles celles-là aussi. Ah, ça joue bien là. Hein. On met une pression de fou. Oh oui. Ah, il manque que le but. 8 tirs déjà en 20 minutes. Impressionnant.
Impressionnant. Ah, il faut marquer là, c'est le moment. C'est le moment. Je vais les encourager. Ah, putain, c'était le moment là. Allez. Marqué avant la mi-temps. Hors-jeu, 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 hors-jeu. Bien sûr. Bien sûr. Il y a un bug avec l'arbitre de touche, il se met sur mon joueur, sur les touches. Ça doit pas être normal cette affaire. Entre trois joueurs, Plaireux, il arrive à s'en sortir. Oh, comment ils peuvent jouer tous derrière comme ça? C'est moche, hein. C'est vraiment moche. Surtout qu'ils m'ont battu en coupe et. J'ai un peu de mal contre Saint-Étienne globalement. Penalty. Voilà. Pléo, mais il loupe tous les pénaux. Pourquoi c'est lui qui frappe? Il frappe au mieux. Regardez, il va frapper au mieux. Regardez bien. Prends les paris. 5 euros. Voilà. Je sais pas pourquoi il frappe les pénaux. Hein. Il y a combien en penalty? 13. Et il y a combien Bentancur, hein, tout ça là? Il n'y a pas un qui a mieux que lui. Merci Piratule pour ton follow. Merci à toi. Bienvenue, bienvenue dans la communauté. Allez, on va les motiver un coup. 12 tirs à 4, on gagne 1-0, plus que logique. Oh là. Petite mésentente défensive. Allez, Ayo. Ah non, il y a faute. Oh non! Fédé, il est pas bon en ce moment. Ça me dégoûte. Ah, du coup, on va sortir Lazo, hein. Quoique Essérick il est. Oh, on va sortir Essérick parce que Essérick il a du mal physiquement. Ce qui est logique. Non, on va plutôt faire rentrer Rack. Putain, à 10 quoi. À 10 contre Saint-Étienne à domicile. Heureusement qu'on est à domicile. Comment te faire changer complètement un match? Démonstration. Bien, Hassan. Oh, mais dégage pas comme un. Elle est belle. Allez, un bon centre. C'est pas dégueu. Hors-jeu. Hors-jeu, non? Il est pas hors-jeu, là? Oh putain, bien. Bien player. Ah, moi, je le vois hors-jeu. Attendez qu'on regarde. Ouais, il est sur la même ligne. Peut-être pas hors-jeu. Putain, là, la défense, par contre. À la rue complet, hein, les cocos. On va se mettre en défensif, là. Même si je suis chez moi. Je gagne 2-0, on n'est pas là pour. Putain, il n'y en a pas un qui va réussir à lui prendre la balle. Ah. Bien joué ça. Boum. Boum. T'emmerdes pas. Oh, bien joué. Oh, c'était joli! Et Player, il fait des super matchs en ce moment. Hein. Ça a noté aussi. Hein. Il a super bien remplacé le Ben Arfa. Hein. Ça, c'est très très bien. Qui l'eût cru? Il correspond parfaitement à la tactique, en fait. Vraiment bien. Alors, 75e, on va peut-être faire un changement.
Bentancur qui a cours physiquement, on va le sortir. Et je crois qu'on va rester comme ça. Ouais. On va rester comme ça. Carton jaune pour Lazo. Jouer Pléa. Goran, Lazo. Ok. C'est bien tant qu'on est haut. Hein. Ça aussi, je comprends pas. Ah, il est hors jeu. Ouais, d'accord. C'est ça que j'ai pas compris. Tacle. Voilà. Bonne défense. Super la défense là. Parfait. Et vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Hein. On fait 3 matchs avec un effectif moyen. Même si là, contre Saint-Étienne, on a récupéré. Oh, de l'or! On a récupéré quelques cadres. Contre Saint-Étienne, comme Essérick. Comme Bentancur. Heureusement. Voilà, bon, c'est fini. Bien joué. Bien joué, les gars. 15 tirs à 8. Ils ont rien vu. Même à 10. Wow. Il y a quelques occasions qui m'ont fait peur, comme là de l'or à la fin, mais globalement, globalement ça va. Voilà. Donc là on a une petite trêve, ouais, rapide, hein. C'est pas une très grosse trêve. Salut, salut Trash. Trash Kennedy. Alors, réunion technique, on va la faire. Non. Non. Ouais. Ok. Proposer en prêt alors que non. Ok, modifier ça non. On reste comme ça. Donc en compétition, ça dit quoi? On a un match d'avance et voilà, donc il y a toujours 2 points d'avance. 3 points, pardon, d'avance sur Paris. On est vraiment sur une bonne dynamique. Et là, on a un derby contre Monaco qui s'annonce bouillant. En plus, Monaco est pas bien. Ça va être bouillant, bouillant, bouillant. Ah, c'est bien aussi. C'est bien des matchs comme ça. En plus, contre Monaco, j'ai pas beaucoup perdu. Ils viennent de se prendre 4 hein, là. Oh, oh, oh. Ah, c'est le moment de les prendre. Hein. Et nous, on est super bien. Waouh. Je crois que l'Europa League, c'est dans la poche, hein, les amis. Je vois pas comment, même avec un effectif réduit, on arrive à gagner les matchs. Donc, voilà, avec l'effectif au complet, on doit au moins viser les 3 premières places. Et je suis premier depuis. Pouf, belle lurette, hein, je vous le dis. Bah, vous l'avez vu tout à l'heure, je crois. Je crois que si on fait ça, voilà, vous voyez. Donc, de classement de la saison, je suis resté un moment premier. Et le dernier match contre Monaco, vous avez vu, une défaite et 4 victoires. Hein. Je suis vraiment, vraiment très très bien contre les Monégasques. Monaco. Alors, on va faire un petit point sur les championnats. Donc, je vous rappelle, hein, troisième saison, donc saison 2017-2018.
On a le Real qui est en tête avec 10 points d'avance, on peut dire qu'il est quasiment champion. Dortmund premier, avec le Bayern qui a 9 points de retard sur le Dortmund. Bon, Argentine, ça vient de commencer. Aux Pays-Bas, l'Ajax est premier. Même si tout est encore jouable pour toutes les équipes. Les trois premières places. En Italie, c'est la Lazio qui est devant. Où est le Milan? Milan 17e. Waouh. Ah ouais, quand même. Quand même. Chelsea premier, City, Arsenal, United, Liverpool. Quelles sont les surprises au fond? Ouais, Leicester qui est 16e, qui a du mal cette saison. Et après, en Skybet, on a qui comme équipe connue? Enfin, connue. Beaucoup d'équipes connues en Skybet, mais. Sunderland, peut-être. West Brom, les Wolves. Aston Villa, et qui risque de monter là cette saison. Alors, encore des blessés. Bah ouais, tant qu'à faire. Ça m'arrive pas souvent cette saison. Allez, on avance, on avance. Il y a déjà cette heure-là, putain. J'ai commencé tard ce soir aussi les streams. Mais bon, on va faire encore, je pense, deux matchs sûrs. Tranquillou. On a un bon match contre Monaco. J'ai bien envie de les taper encore. Et après, on a un match contre Toulouse à domicile. Bah, je crois que ce sera les deux derniers matchs pour cet épisode. Je l'ai fait un petit peu plus court. C'est vrai, les derniers épisodes ont été un peu plus courts que précédemment. Mais bon, après, c'est selon ma fatigue. Et puis, comme je l'ai fait le soir avant d'aller au dodo, demain, je me lève tôt. Un match pas comme les autres. On s'en fout le chaos. Oh! Salut Benjizu, bienvenue à toi et merci pour ton follow. Bienvenue dans la communauté. J'ai essayé de faire au mieux. Doudoudou, affirmant que j'en ai tellement en enfin. Hop. Ouais, ça j'aime bien quand ils disent que j'allais le maillon faible. Surtout quand tu vois ça, quoi. Hein, quand tu vois. Vous allez dire, je le soutiens à mort, j'allais, mais. Voilà, quoi. Meilleur passeur du championnat, meilleure note moyenne, j'allais. Bon, après. S'il dit qu'il est nul. C'est son droit, hein. C'est son droit. Il faudrait que j'annule certains abonnements là. Il y en a marre d'être tenu informé de tout là. On la coupe, là on va laisser. Ce sera déjà mieux, on aura moins d'infos. Parce que les infos, je les lis pas quoi. J'avoue que de temps en temps, je vais voir, mais globalement. Hein. Globalement, je vais pas voir à chaque journée qu'est-ce qui a fait quoi. Voilà. Des jeunes pousses, ah, voilà, ça c'est intéressant. Plus prometteur. Alors. Mais ils sont où?
C'est normal que je les vois pas. Elle va peut-être les faire signer après. Bon, c'est pas grave. C'était pas transcendant, transcendant, hein, ce que j'ai vu en termes de joueurs. Hein. Allez, contre Monaco, Ben Arfa reprend l'entraînement complet. Non, je vais pas mettre Pereira en défenseur central. Je préfère voir Ben Sebaini. Après, je peux mettre Rack. Ah, on va mettre Rack en. Rack et on va mettre Seri en. Voilà. Le marchand à gauche, je pense qu'il peut faire le boulot. C'est pas son poste préféré, mais il a déjà fait quelques bons matchs. Il est observé, tiens. Tiens donc. Ah ouais, son contrat se termine, c'est vrai. Donc il se fait voir, il a bien raison. Allez, on y va. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Le derby. Le derby de la Côte d'Azur. J'ai cru au péno. D'entrée. Petite frayeur. Oh là là, la chance! Frappe déviée, Dirard qui arrive. Bon, bah ça commence bien. Pas de chance là. Putain. Ouais, il s'est fait bouffer. Ouais, dévié, ouais. C'est même pas une frappe, c'est un tacle. Oh, là. Oh non, il prend déjà un jaune 7ème minute. Pas normal ça. Boum. Waouh. Allez, c'est pas fini hein. Et ça fait un 0, mais c'est pas fini. Celle-là, j'en parle même pas de celle-là parce que. Elle était cadrée apparemment. Boum! Ah dommage. Il était tout seul en plus le Marlène. A déjà pris 3 jaunes quoi. Défendu. Allez, j'allais. Yeah! Christophe. La passe est jouée. Ça, c'est une spéciale. Hein. Toute la saison, on l'a fait celle-là. Hein. Bien coupé par Ayo. Et voilà, ça, c'est beau. Ça. Voilà, le match n'est pas terminé. Après un mauvais début, on a quand même équilibré les débats en termes de frappe. On a récupéré la possession de balle aussi. Donc, ah, il met pas de carton là. Ça me fait toujours rire ça. Oh non, on a pas encore un but dévié, hein, s'il vous plaît. Hein. S'il vous plaît là. Mi-temps.
Je vais leur dire ça, parce qu'on n'a pas été si dégueu que ça, mis à part le début. Ouais, un bon coup franc là, bonne tankure. Allez, mets-la mon petit. Ah, allez. Juste au-dessus. Cario blessé, normal. Oh là, oh là, oh là. Bonne tankure. C'est chaud pour toi, Ben Tankur. Hein. Problème, c'est que j'ai personne. Ah, si. Ah non, Ra qui avait. Oh. On peut faire ça. Là, je le sors vraiment parce que c'était chaud pour lui et j'ai pas envie qu'il prenne un rouge. Donc, j'assure. J'assure, j'assure. Putain. C'est quoi tous ces cartons? Non. Hein. Je suis pas d'accord, moi. Je crois qu'on va sortir Rack aussi. En plus, il fait pas un bon match. On va le sortir. Le truc. Ah ouais, non, mais. Ou bien, attends, 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 attends. Si je mets Ben Sebaini là. Et que je mets. C'est pas terrible cette affaire. C'est pas terrible du tout. Il peut pas jouer. Il peut pas jouer. Non, ça le fait pas. Ça le fait pas. Bon, on va tenter comme ça. Je sens que je vais prendre un rouge dans cette affaire. Je le sens. Je le vois venir. Cette affaire. On fait que nul, hein. Donc bon. Allez, peut-être en contre. Oh, elle est belle. Rack, mais là. La Zoa! Puis il est dévié, de toute façon, on le passait à côté, je crois, le passer 3 mètres à côté. Mais jouer, j'allais un bon centre. Ah, dommage. Qu'est-ce qu'on peut faire rentrer? Figueiredo à place de. Ouais, on va tenter Séric au centre, on va faire rentrer Figueiredo. Ça me paraît bien, on va rester comme ça. Allez. 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 Oui. Oh là 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 là. Le coaching, Figueiredo. Magnifique. C'est fini là, c'est fini monsieur l'arbitre, c'est fini. Oh non, la relance quoi. Non, non. Quel dommage. Oh putain, la loose.
Oh, je suis dégoûté. Franchement, je suis dégoûté. Oh non, 93e, quoi. Ah, je suis déçu, franchement, je suis déçu là. On peut pas. Enfin, on peut pas. De toute façon, j'étais en défensif. Ah, c'est vraiment dommage, franchement. C'est con parce que c'est 2 points perdus et au final au classement ben Paris est là même si j'ai un point. Ouais. J'aurai un point d'avance quoi, mais ça va être chaud. Bossetti est fou, lui. Il est fou. Bon, allez, on va finir sur ce match-là. Donc, sur Toulouse. Encore une fois, bon, un petit peu déçu là, mais bon, c'est pas grave. Si on gagne contre Toulouse, ça me satisfait. Je vais pas en demander trop. On va pas, voilà. Faut être aussi réaliste, faire un nul à l'extérieur dans un derby, c'est pas si dégueulasse que ça. J'aimerais bien que Lille gagne là contre Paris, ce serait bien pour moi. Allez, faites ça mes petits dogs là, petite victoire contre les Parisiens. Oh non, ouais. Ah c'était la Coupe de France, ouais, j'ai pas bien vu. Bon, Lyon est passé aussi. Pléa, ouais, bien joué. Et Jallet derrière qui suit, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Qu'est-ce que j'ai fait? Allez, on se dépêche. Allez, Toulouse, nous y voilà. Donc, on va tenter le petit Atem au centre. Je pense que Atem peut jouer vraiment au centre là dans cette tactique. Voilà, Atem énorme fois et Seri Kayou. Seri Bentancur, ça me paraît bien. Marlon Bass, oui. Par contre, Marlon à droite. Oh, mince. Voilà, Jallet Ngoran, c'est parfait. Pour moi, c'est l'équipe la plus costaud. Sachant que j'ai Parak. On peut y aller sans problème. Hop. Oh, c'est une équipe qui va jouer, tiens. Ça va être intéressant à voir. Ça va être intéressant à voir parce que Toulouse est très haut. Il devrait y avoir des actions de but des deux côtés. Hommage. Boum. Écale. Bien joué, j'allais à un bon centre. Hommage, dommage, dommage. Il y avait de l'idée.
Bien joli. Un thème qui rejoue, ça fait plaisir aussi. Hein. Oh là, le player, il est en pleine forme. En pleine forme, le player. On le voit. Hein. Dès qu'il prend la balle, il accélère comme un fou. Ouais, on est en place là, c'est pas mal. Voilà, en même temps, on est quasiment dans l'équipe type. Hein. Quasiment. Ouh, et c'est Rick. Oui. Et dis donc, et c'est Rick. Oui. C'est bon ça. Bing. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle celle-là. Peut être dans le but du mois là, je pense. Je pense qu'on peut être dans le but du mois là. Oh, quelle relance. Regardez ça, player. Il est on fire. Maintenant, cure. C'est Rick. Gohan, oui, c'est Rick. Pff, la parade de fou. La parade de fou. Ouais, on récupère. On est là sur les deuxièmes ballons. Oh oui, le 1-2. Oh là là. Il m'a l'air énorme, player. Pour l'instant, il y a 6,9, mais je pense qu'il va y avoir d'autres buts. Je vous le dis. Base. Et c'est Rick à thème. Tankur. J'allais. Pléa. Pouah, belle parade encore une fois. Parce que c'était cadré, hein. C'était cadré. Ah, attention, ça part bien aussi. Ouais, j'allais. 7 tirs à 0. Pour l'instant, une seule équipe sur le terrain. 7 tirs à 1. Voilà, suffit de le dire. On récupère ça, voilà. Allez, c'est pas fini. Boum! Il va frapper. Ah non. Oh oui! Oh oui! Oh oui! Stankyu, ouais, je connais, ouais. Salut, Mr. Dadge. Bienvenue à toi. Je connais, ouais, Stankyu. Ouais, ça. Mais je crois qu'il joue déjà en France, je crois. Si c'est pas à Lorient. Ah non, Norwich. Ah merde, je croyais qu'il était. Ah non. Écoute, je vais l'observer, mais tu vois, 12 millions d'euros, et regarde combien j'ai. J'ai 2000 euros pour les transferts, donc on verra pour la prochaine saison, mais pourquoi pas, parce qu'un milieu offensif, si je vends Ben Arfa, il va me falloir un MOC, donc pourquoi pas. Oh, dommage. Merci en tout cas pour le conseil, hein. C'est sympa. Oh, on a fait vraiment un superbe stream là ce soir. Il n'y a que le nul contre Monaco là. Oh, wow, c'est dommage ça, ça devait rentrer. Ça devait rentrer à thème. Mais encore une fois, voilà, il y a du spectacle aussi sur ce match parce que Toulouse joue haut. Et Toulouse essaye de me poser des problèmes, même si bon pour l'instant c'est pas trop le cas. Oh, dommage. Et ça a ribagé l'entraîneur qui essaye de faire du jeu quand même. C'est intéressant de le noter parce que souvent les équipes contre qui jouent très bas quoi. Et balance devant sur l'attaquant. Bon, des fois ça marche aussi, hein. Mais bon. Dommage. Allez, à thème. J'allais. Ça s'est récupéré par Toulouse. Attention en contre quand même. Bien, Goran. Voilà, on est là, on est présent. C'est parfait pour l'instant. Pour l'instant, tout va très bien. Allez, à thème. Oh non. Part pas au bon moment. On récupère ça. Ah, on n'est pas au deuxième ballon là. Attention. Ça peut faire une action de but pour les Toulousains. C'est pas si mal. Ça me frappe de loin là. Oh, il y a hors-jeu, bien sûr. Bien sûr. Bien, Goran. Allez, peut-être le troisième. Ah, dommage. Ah, c'est con.
Bon, voilà, je crois que c'est la mi-temps. Un poison, voilà. Je suis très content, continuer sur ce rythme. Bah ouais, on gagne 2-0. On fait un match plus que bien. Par contre, Pléa 6,6, c'est un petit peu abusé, je trouve. Il fait un bon match. C'est vrai qu'il a loupé quelques occasions de but, mais. Un petit peu sévère avec lui, là. Oh putain, tu lui redonnes. Allez, Pléa. Voilà, Pléa. Passe. Ah, oh, il frappe encore. Putain, ouais. C'est vrai qu'il veut absolument marquer, on dirait. Mais il va tellement vite et puis. Je trouve qu'il a pris du niveau là, je trouve. Depuis que Atem a été. Ouais, dommage, c'était bien joué aussi ça. Depuis qu'Atem a été blessé. Là, il revient à peine de blessure, Atem, donc. Il a pris peut-être un peu de confiance en étant titulaire indiscutable. Il a marqué aussi quelques jolis buts. Oh la barre! On va faire entrer. Ben, j'ai un trou. Oh, il va peut-être prendre un rouge là. Eh ouais. Eh oui. Donc, on va faire rentrer Bossetti. Parce qu'il veut jouer. Donc, il va rentrer. Ah oui, alors là par contre. Là par contre, non. Hein. Putain. On doit pas se le prendre. Ça y est, ils ont frappé trois fois quoi. Première frappe cadrée, il marque. Génial. Allez, il faut marquer le troisième, on n'en parle plus. Décale. Oh ben, c'était bien joué. Hein. Pas trop de chance, hein, c'était bien joué. Allez, là, voilà. Bien joué. Oh, ça va super vite. Oh, c'était super bien joué. Je suis admiratif. Admiratif, là. On fait un match de folie. On n'arrive pas à marquer le troisième. Oh, quelle parade, hein, Amada. Bien joué. Peut-être faire un petit changement. Ben Arfa, peut-être. Allez, on va sortir Ben Arfa. Physiquement un petit peu en dessous, donc je prends pas de risque. Incroyable, n'arrive pas à marquer le troisième. T'as, si je me prends un but, j'arrête FM. Ah, dommage, il y avait de l'idée. Jouer. Oui. Yes. Yes. Allez. Elle est belle celle-là aussi, hein. Un petit jeune, Ngoran. Il voit rien. Ça fait plaisir. Allez, Bossetti, Pléa. Non. C'est fini, je crois, non? Ouais, c'est fini. Bentancur à noter, hein. 8,3, Ngoran, parfait. Très content. Hop, 24 tirs à 3. On peut dire propre quand même. Et on est toujours dans la course pour le titre.
Voilà. Bon bah écoutez, on a fait une très bonne soirée. On a fait 5 matchs, 4 victoires, 1 nul. Et puis bah, je pense que le prochain stream, ce sera le final, hein. On va essayer de faire un stream avec les 8 derniers matchs pour la prochaine fois. Donc on aura des gros matchs en plus, Lyon, Paris. Et un final avec 2 matchs assez faciles normalement. Si Angers, ouais, 15e. 3 est dans les derniers. 18e. On a Rennes aussi, ouais, Rennes 3e. Lille, bon, 8e. Mais c'est chez moi, Lille, hein, ouais. Ok. Bon, bah voilà. Sur ce, je vous remercie tous d'être passés. Et puis à ceux qui regardent les vidéos sur YouTube, merci de me suivre. Aussi souvent, et puis si ça vous plaît ou si vous avez des petites questions, n'hésitez pas comment dire, à me les poser. Et puis si ça vous plaît, mettez un petit pouce vert en dessous de la vidéo, ça fera plaisir. Et puis on se retrouve donc très vite pour soit la partie avec Wolfsburg ou cette partie avec Nice. Mais je pense que le prochain stream sera avec Nice. On va essayer de finir cette saison et pourquoi pas être champion. On a été premier quasiment toute la saison, donc ce serait vraiment dommage de redescendre en fin de saison. On verra bien. En tout cas, merci à tous. Bonne soirée, bon après-midi, bonne journée. On se retrouve très vite. Salut tout le monde. Ciao.